Je vous laisse rejoindre le live tout doucement. On va pouvoir démarrer eh bien, l'entraînement. Je mets la petite musique et on est parti. Hello tout le monde. Je vous laisse rejoindre. Hop. J'espère que vous êtes en forme encore une fois aujourd'hui. Donc, on est en live sur Facebook, YouTube, mais aussi sur Instagram. Alors juste, ouais, YouTube, c'est bon, c'est parti. Facebook aussi. Hop, je règle les petites caméras et on va pouvoir débuter. On met la musique. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est training abdos booty. Donc, ça va encore une fois bien, bien travailler. 45 minutes de cours. Je vais vous dire un petit peu le matériel qu'il va vous falloir. Alors, où est ma musique? Sans musique, c'est pas la même. Hop, je vous mets ça et c'est bon. Hop. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin... Je vais mettre ça en place. Donc, d'un petit élastique. Donc, si vous avez ce genre de petit élastique bande, eh ben, je vous invite vraiment à le sortir puisqu'on va s'en servir. Salut tout le monde! Tout le monde se connecte, c'est top. Je vous laisse rejoindre, on va bientôt démarrer. J'ai un petit peu de retard, je m'excuse. Ensuite, on va avoir les petits poids. Donc, les poids lestés, si vous les avez, vous pouvez les sortir. Choisissez soit l'un, soit l'autre. Moi, aujourd'hui, je vais travailler surtout avec l'élastique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, on va travailler sans et ça va aussi travailler sans problème. Donc, c'est adapté à tous. Hein. J'attends encore un petit peu. Ah oui, ma sœur, elle a oublié l'élastique. Là, ça y est, tout le monde est revenu chez soi. Donc, elle n'a pas l'élastique. Mais si tu as les poids lestés, je ne sais pas si tu les as, bah prends-les, je ne sais pas si tu les as. Et sinon, tu fais sans élastique, sans poids, ça marche aussi. Salut sur Facebook, sur YouTube aussi, vous êtes 7 déjà. Normalement, c'est censé être mieux au niveau de la qualité, puisque là, du coup, j'ai la wifi, ça capte super bien, donc c'est plutôt bien. Ensuite, je vous remets tous les directs, hein, n'oubliez pas, directement sur YouTube ou sur Facebook, puisque sur Insta, ça bug, hein, malheureusement. Ok, bah, si vous avez les poids, prenez-les, hein, ça va nous servir. On commence avec l'échauffement. Pour l'échauffement, vous pouvez mettre le tapis de côté, parce qu'avec des poids, il est un peu gênant, un peu casse-gueule. Donc, moi, je le mets de côté et on va démarrer. Allez. J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez bien la musique. Allez, on démarre l'échauffement. Si vous nous rejoignez, c'est le moment. Allez, on commence par marcher. Go! Marche, marche, marche. Allez, 45 minutes de cours. Ça va encore bien brûler les fessiers, les abdos. Ça, c'est une séance qu'on aime tous. Allez, on va partir en 7 touch. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Yes. Allez. Active les bras, droite, gauche, droite, gauche. Tu ouvres et tu fermes les pieds. Encore. Hop, hop. Encore. Allez. Active bien les bras, pense à ta respiration. On va venir envoyer le pied derrière. Maintenant. 1, 2, 3, 4. Allez, si vous nous rejoignez, venez, on commence seulement l'échauffement. À mon final, on envoie talons fesses. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Allez, activez bien les bras, soufflez. On amène le talon vers les fessiers. Transfert du poids de corps sur la jambe. On va venir en enchaîner 4. Et 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Un même chose, allez, hop, le talon vers les fessiers. Dernière, on en enchaîne 8 de l'autre côté, allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on revient le pied derrière, hop, super. Allez, encore. Parfait. Allez, pensez à votre respiration. Allez, on est motivé comme d'habitude. On envoie monter le genou. Allez, monte, monte. Tu envoies le genou à hauteur de hanche et tu redescends.
Allez, souffle bien. On va venir en enchaîner 4. Allez, comme sur les talons fesses. Maintenant, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore, allez. Yes. Dernière. Et là, on repart sur les 8. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, reviens derrière. Hop, super. Donc là, on va venir décoller le pied du sol. On va mettre la pointe flex. Et une fois qu'on va monter le pied, on va contracter les fessiers. Regardez à mon départ. Maintenant, hop, hop, je décolle les pieds du sol. À chaque fois, hop. Et là, à chaque fois derrière, vous devez contracter vos fessiers au maximum. La pointe est flex. 4, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Activez toujours les bras. Allez, on fait bien monter le cardio. Dernière. On revient en single. Hop, hop, hop. Yes. Allez, contractez vos fessiers. Encore. Hop, hop. Super. On revient le pied sur l'arrière et tac, tac. Mon bassin est fixe. J'envoie juste le pied derrière. On appelle ça des tacs. Hop, hop, hop. Super. Et relâche tout doucement. Allez, on active encore un peu le cardio. Quelques minutes pour bien vous échauffer. Allez, petite foulée sur place. Si c'est dur au niveau des impacts, tu peux marcher et marche rapide. Si tu es à l'aise, petite foulée. Allez, encore. Donc là, vous connaissez à force, ça fait tellement de live qu'on fait tous ensemble. On va venir enchaîner avec des petites montées de genoux. Ne vous inquiétez pas, je vous donne une alternative sans impact. Maintenant, montez genoux. Les genoux à hauteur de hanche. Tu actives bien tes bras. Souffle. Option plus facile, comme on a fait à l'échauffement. Hop, hop. Allez, encore. Accroche-toi. Le genou à hauteur de hanche. Allez. Activez les bras et soufflez. Allez, allez, encore un petit peu. Là, on fait l'inverse. Talons fesses. Maintenant, les talons vers les fessiers. Hop, option plus facile. Sans impact. Allez. Hop. On active les bras avec et sans impact. C'est très important. Allez, soufflez. 15 secondes. Soufflez, soufflez, soufflez. Accrochez-vous. Allez. C'est normal, il commence à faire chaud. Vous commencez à avoir les cuisses qui chauffent. C'est normal? Allez, on y va. Bien fait, Jacques. Hop, option plus facile. Sans impact. Allez, choisis ton option. Wouh! Ça y est, j'ai chaud. Hein. Allez, on ne s'arrête pas. Allez, mets du rythme. Si ça devient trop dur, c'est pas grave. Prends l'option plus simple. Ça travaille aussi. Yes! Yes! Allez! Wouh! On enchaîne. Squat. Hop. Donc là, tu écartes les pieds plus larges pour ton bassin. Ouvre les pieds sur l'extérieur. Serre tes abdos. Garde le dos bien droit. Encore. Allez. Yes. Pousse tes fessiers loin derrière. Encore. Vous avez vu au début, je ne descends pas trop bas. C'est normal. On sort tout doucement. Les fessiers au-dessus des genoux. Inspire et souffle sur la montée. 8, 7, encore, 6, 5, accrochez-vous, 4, 3, 2, 1, on fait la même chose avec un saut, yes, si c'est trop dur, tu ne mets pas le saut, tu restes en squat, allez, inspire et souffle sur la montée, descendez pas trop bas pour le moment, on chauffe.
chercher une. Buvez un petit coup et on enchaîne. Hop. Allez. On va enchaîner. Pour le moment, on va rester debout. Allez. On va venir prendre le petit élastique si on l'a. Hop. Si on l'a pas, c'est pas grave. Hein. Pour celles qui ont les poids lestés, vous pouvez commencer à les mettre sans problème. Il fait chaud déjà. Hein. Allez, on repart. On va commencer avec une session de squat, ok? Sur le squat, vous devez penser à serrer vos fessiers sur le bas, là. On serre et en remontant, on serre. On est sur le fessier, donc on doit se forcer à les contracter. Contraction volontaire, ok? Allez, on y va. Ceux qui ont l'élastique, tension continue tout le long. Écarte les pieds plus larges que le bassin, les pieds ouverts. On est parti. On va pousser les fessiers loin derrière. Allez, hop, tu remontes. Regardez les fessiers, poussez loin derrière. La pointe des genoux, elle ne dépasse pas la pointe des pieds. On a le buste bien sorti, les abdos serrés et le dos droit. Yes! Donc là, je descends en demi-squat. Les fessiers à hauteur des genoux. Si c'est trop dur, tu descends moins bas. Quart de squat. Allez, on y va encore. 8, 7, 6. Allez, activation du bouti. Faut que ça brûle, hein. Contractez vos fessiers. Allez, bloc en bas. Et là, tu ouvres. Ouvre les genoux vers l'extérieur. Position de squat. Allez, serre tes abdos. Laisse pas tomber ton buste. Serre. Ouvre. Allez, petite activation. On repart. 8. 7. Encore. 6. 5. Accrochez-vous. 4. 3. 2. 1. Bloc en bas petit. Allez. Ouvre. Et là, ça pique, hein. Les fessiers contractionnés, c'est eux qui t'aident à ouvrir l'élastique. Allez, contracte. Rien de mieux pour les tonifier, les galber là. Ok, repart. 8. Wouh! Allez, on s'accroche. Je sais que ça brûle. Allez, tension continue dans l'élastique. Si t'as pas d'élastique, tu ressens aussi. Hein. En bas. Ouvre. Yes, allez, tire. Tire sur ton élastique. Contracte tes fessiers. Regardez mon buste, tu ne retombes pas. Hein. Si c'est trop dur, remonte un peu, mais lâche pas. C'est la dernière série. 8, allez. 7, 6, 5, encore. 4, 3, 2, 1. Petit en bas. Ouvre. Allez, tire sur les lactifs ou tire sur les côtés si t'en as pas. Yes. Allez. Wouh. 4, 3, 2, 1. Relâche. Voilà, là. On sent là. Hein. Les cuisses, les fessiers. Ça tonifie à mort là. Hein. Allez, on détend un peu les jambes. Soufflez, buvez un coup. On repart sur ce cycle. Allez. Voilà, là, là. La dégoulinance qui commence. Allez. Encore une série sur le squat et ensuite on enchaîne au sol avec de l'isolation. Là, c'est des mouvements polyarticulaires. On sollicite plusieurs articulations, c'est complet. Ça prépare vos fessiers et derrière, on envoie l'isolation et là, ça pique un max. Vous pouvez très très bien. Nickel, même sans élastique, ça pique, c'est top. Allez, on repart, motivé. Allez, je suis en forme ce soir, je vais tout donner avec vous. Allez, pieds plus larges que le bassin, pieds ouverts. Go. Hop. Yes. Allez. Poussez les fessiers loin derrière. Concentre-toi sur la contraction. Allez. Au début, c'est pas facile hein, de ressentir ses fessiers. Vous devez vous concentrer dessus. Encore. Allez. Yes. Les abdos sont serrés. Hein. C'est pas parce qu'on fait les jambes que le haut est mou. Hein. Au contraire. Allez, accrochez-vous, on va repartir sur les petits en bas là. Maintenant, hop. Allez, ouvre. Regardez, c'est mes genoux là. Là, mon bassin, il bouge pas. Hein. C'est que mes genoux qui ouvrent sur l'extérieur.
Dernière série, on repart pour 8. Allez, 7, encore 6, 5, allez, encore 4, yes, 3, 2, 1, petit un pas. Ouh, c'est le dernier. On passe au sol après, donne tout ce que t'as. Allez, wouhou. Allez, accroche-toi, ouvre les genoux sur l'extérieur. 4, 3, 2, 1, relâche. Ouh là là là, ça brûle, hein. Les émotions, ça brûle, hein. Faut pas croire. Allez, détendez vos jambes. Gardez le petit élastique si vous l'avez, puisqu'on enchaîne au sol avec. Donc ça, là, si vous avez les poids lestés, vous savez les poids, je les ai mis où ? Je préfère rappeler, vous savez les poids qu'on met aux chevilles, là. Mettez-les si vous les avez. Mais si tu as l'élastique, ça suffit, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas l'élastique. Allez, on va repartir. Je règle bien pour que toutes les caméras me voient bien. C'est bon. Allez, on va se placer au sol. Hop. Donc là, on va faire un enchaînement. On va venir bien isoler les fessiers. On se place au sol, sur le ventre. Allez-y, laissez-vous en place. Je vois des petites flammes là. Ça a l'air de bien brûler. Ok. Je règle aussi YouTube. On enchaîne. Allez, go. Bon, sur le ventre. On y va. Là, on va venir monter une jambe. On reste sur la même jambe. Regardez, ma jambe, elle est tendue. On va partir ensemble. Allez, monte, descend. Monte, descend. Donc, la jambe qui monte, elle est tendue. L'élastique, il est au niveau des genoux. OK? L'autre jambe, elle est collée au sol. Mon bassin est collé au sol. Mon bassin, il ne bouge pas. C'est que ma jambe qui lève. Donc là, vous allez ressentir le fessier et l'arrière de la cuisse. C'est normal. Accrochez-vous, il y a bien mieux pour tonifier l'arrière des jambes. Et les fessiers, surtout. Là, ça va les galber. Allez, souffle sur la montée et inspire sur la descente. Toujours la même jambe. Ouh, et là, ça brûle déjà. Accroche-toi. Si tu as l'élastique, allez, tourne au maximum. Donc là, en plus de ça, on travaille les lombaires, le bas du dos. Et ça, il n'y a rien de mieux pour avoir une belle chute de rein et du coup avoir des fessiers bien définis. Encore. Allez. Ouh, ça brûle. Allez, soufflez, hein. Allez, monte. Contracte le fessier. Si c'est trop dur, tu enlèves l'élastique ou le poids. Petit, en haut. Allez, maintiens. La pointe, elle est flex. Tire, tire. Wouh! C'est les fessiers contractés, hein. Et relâche. Ouh! Ok, relâche un peu. Récupère. On repart. Bon, là, on part sur votre jambe, ok? Allez, allez, on s'accroche. Hein? Allez, on repart. Sur l'autre jambe, le même mouvement. Maintenant, monte, descend. Monte, descend. Allez, la jambe en haut, là, elle est tendue, hein. Wouhou! Contracte ses fessiers. C'est parfait. Encore. Allez. Hop. Hop. Là, tu dois sentir le fessier qui se contracte. Tes lombaires qui chauffent. L'arrière de la cuisse aussi. C'est normal. Travail complet pour isoler. Allez. Encore. Allez. Allez, allez. On est plus fort que ça. Vous connaissez la devise. On commence ensemble. On finit ensemble. Et là, on attaque les petits en haut. Petit, allez. En haut, en haut. Tire sur l'élastique. Souffle. Accroche-toi. Allez. 4, 3, 2, 1. Relâche. Ok, je bois un coup. Détends un peu les fessiers. Et bah, dis donc, je sais pas vous, mais moi, ça y est, je dégouline. Ok, allez, vive un coup, on va repartir. On se replace sur la même chose, sur le ventre. Et là, on va faire une petite différence. On va monter et on va écarter sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je monte et j'écarte sur l'extérieur et je reviens. Allez, on est parti en position. On part sur la musique. Donc, je monte la jambe et je vais sur le côté. Allez, préparez-vous.
Go. Monte, côté et reviens. Monte, côté et reviens. Encore. Donc, ce qui est important, le bassin toujours collé au sol. Ok? Vous devez contracter le fessier là. C'est lui qui vous aide à monter. C'est lui qui tire sur l'élastique. Encore. Hop. 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 Yes. Et là, tu restes sur le côté. Tire. Tire sur l'extérieur. Tire sur l'élastique. Le bassin serré est collé au sol. Allez. Côté. Côté. Allez, on enchaîne de l'autre côté. Monte. Côté et reviens. Encore. Monte, côté et reviens. Quand je vais chercher sur le côté, ma jambe, elle ne redescend pas. Hein. Hop, hop. Encore. Allez. Wouhou. C'est normal que ça brûle. Accrochez-vous. Allez, toujours le bassin collé au sol. On enchaîne. Petit côté, côté. Côté. Allez, la jambe, elle est haute. Hein. Laisse-la pas retomber. Hein. Souffle. Souffle. Côté. Hein. Allez. Et relâche. Wouh. Ça, c'est un nouvel exercice. On n'avait jamais fait. Ben, il en voit. Hein. J'ai grave chaud. Je dégouline. C'est dégueu. J'en ai dans les yeux et j'en passe. Ok. Ok, super. Allez, on enchaîne. Ça va, tout le monde? Super. Toujours les petites flammes. Allez, on enchaîne. On se replace au sol. Hop. On garde l'élastique, évidemment, si on l'a. Sinon, vous gardez le poids. Regardez, je vais aligner mes mains, mes poignets, mes coudes et mes épaules. Regardez, aligné. Ouais, je ne suis pas ici. Hein. Je les aligne au max. Mon dos, il est bien droit. Ok. Et là, on va faire une impulsion sur le côté. Avec l'élastique ou le poids, vous allez le sentir. Hein. Allez, partir la musique. Maintenant, 8, 7, encore, 6, 5, yes, 4, 3, 2, 1. On garde le rythme. Encore. Donc, tu souffles quand le genou il monte et tu inspires sur la descente. Regardez, quand je lève le genou, mon bassin, il reste fixe. Le bassin, il est face au sol et il ne bouge pas. C'est important, hein. Vous avez vu, j'ouvre pas comme ça. Hein. Hop, bassin fixé. C'est que le genou qui monte. Et ça brûle, hein. Wouhou. Allez, petit haut. Hop, hop, hop. Yes. Tu tires sur l'élastique au maximum. Allez, soufflez, hein. Allez, maintenant, on va enchaîner en montant derrière. Monte et ramène. Monte et ramène. Allez, contractez vos fessiers au max. Allez, on envoie le pied vers, par exemple, là, mon mur. Moi, j'emmène le pied vers le mur, pas vers le plafond, vers le mur. Souffle et inspire sur la descente. Allez, on sort cet élastique. Si on a les poids, on ne faiblit pas. Petit, haut, haut, yes. Allez, contracte tes fessiers. Que ce soit celui au sol ou celui qui est en haut. Les deux bosses. Allez, il n'y a rien de mieux pour tonifier. Wouh. Encore 15 secondes. Et vous savez, si ça ne brûlait pas, ce ne serait pas drôle. Hein. C'est là que ça travaille, quand ça brûle. Allez, accrochez-vous. Yes. 4, 3, 2, 1. Relâche. Regarde aussi l'heure en même temps. Ok, nickel, on est dans les temps. Allez, on repart. On enchaîne de l'autre côté. Allez, on y va. Monte, descend. Monte, descend. Allez, on garde le bassin fixe et on lève avec le genou. On tend l'élastique au max. Souffle et inspire sur la descente. Encore. Hop. Hop, encore. Allez, c'est normal que ça brûle dans le boutique, hein. Allez, on est plus fort que ça. Encore 8, 8.
7, 6, 5, accroche-toi, 4, 3, 2, 1, petit haut, allez, maintiens, en haut, tire, tire, tire sur l'élastique, soufflez, accroche-toi, et maintenant derrière, hop. Tu tends les jambes et tu ramènes plié. Donc, qui kick. Et la fameuse, hein. Contracte la fesse qui est au sol et la fesse qui monte. Envoie le talon vers le mur. Hop. Allez. On est plus fort que le poids. On est plus fort que l'élastique. Et évidemment, hein, si t'as rien. Oh, je suis sûre que tu dois ressortir aussi. Allez, encore. Souffle sur la montée. Et inspire sur la descente. Allez, accroche-toi. On va avoir la petite crampe au couchi, c'est normal. Allez, on est plus fort que ça. Bloc. Petit. Wouh. Allez, 30 secondes. Accroche-toi. Encore. Soufflez. Soufflez, soufflez. Hein. Allez. 15 secondes. Oh là là, ça y est, j'ai la goutte de sueur qui me piaille. Horrible. Accroche-toi. Allez. Et 4, 3, 2, 1. Relâche. Allez, pose les fessiers sur les talons pour descendre les fessiers et le dos. Allez, aïe, ça pique. Hein. Ok, on relâche, on prend un coup. On a un petit dernier, un petit finisher. Et on enchaîne sur les abdos. Ah là là, ça dégouline dans mon œil. Ça va tout le monde? Allez, on enchaîne sur un petit dernier. Je regarde en même temps vos commentaires. Ok, allez, on enchaîne. Ça dégouline un petit peu. Hey! Donc là, le dernier, on a déjà fait, c'est le petit hip thrust. Donc rien de mieux pour venir bien tonifier aussi. Hop, on va se placer sur le dos. Allez, si t'as les élastiques, tu les gardes. Si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Si t'as l'élastique, là, il doit déjà être tendu. Hein. Il y a déjà les genoux, vous voyez, sont déjà écartés. Je suis pas serrée. Écarte. Approche les talons, proche de tes fessiers. Si t'es là, tu vas être sur les ischios. Si t'es là, tu seras plus sur tes fessiers. Allez, on est parti. On va monter le bassin vers le plafond en contractant tes fessiers en haut. Et on va redescendre. Allez, go! Monte et descend. Monte et descend. Encore. Allez, en haut, tu contractes tes fessiers un maximum. Les talons sont proches des fessiers. Hein. Encore. Hop. Hop. Alors, si ça tire trop dans le dos, il ne faut pas hésiter à monter un petit peu moins haut. Allez, encore. Et pensez à la contraction volontaire. Vous vous devez vous forcer à les contracter, vos fessiers. Au début, ce n'est pas facile de les ressentir. Hein. Allez, on va venir bloquer en haut. Bloque et ouvre. Ouvre. Ouvre sur l'extérieur. Les pieds, ils ne bougent pas. Hein. C'est que les genoux. C'est eux qui ouvrent. Et pour ça, j'ai les fessiers contractés à fond. Mes abdos aussi, hein. Ok. Monte, ouvre, ferme et redescends. Monte, ouvre, ferme, descends. Donc là, hop, on fait le hip thrust et ensuite on fait une ouverture. Même chose. Hop, hop, hop et tu descends. Monte, ouvre, ferme et descends. Encore. Donc au niveau de la respiration, vous soufflez sur la montée et vous inspirez sur la descente. Allez, et si vous avez l'élastique, vous devez le tendre au max. Hein. Encore. À mon signal, on va bloquer en haut. Allez, bloque en haut. Maintiens. Là, maintiens seulement et contracte tes fessiers. Ressens la brûlure à l'intérieur. À mon signal, on va venir écarter. Allez, tu dois tirer tes abdos et tes fessiers. Pense-y. On y va. Go. Écarte. Écarte.
on y va. Monte, ouvre, ferme, descend. Monte, ouvre, ferme, descend. Contracte tes fessiers tout le long. Allez, à mon signal, on fait le finisher en haut. Bloc, ouvre, ouvre. 30 secondes d'effort. Allez, ne bougez pas vos pieds. C'est que les genoux qui ouvrent. Wouh! Et ça brûle, hein? Encore 15 secondes. Et serre les abdos, hein? Relâche pas. Serre tes fessiers, relâche pas. C'est quand ça bouge que ça bosse. Allez! Yes! 4, 3, 2, 1, ouvre et bloque. Maintien ouvert. Maintien ouvert. Reste, 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 reste. Allez! Wouh! Serre tes fessiers. Reste ouvert. Tire sur ton élastique et si t'en as pas, reste ouvert. Petit les derniers. Ils vont me haïr. Je vous ai dit 30 secondes, mais finalement, on fait un peu plus. Allez, c'est les derniers par contre là. Ouvre, ouvre, ouvre. Allez. 4, 3, 2, 1. Aïe, 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 ça bouge, ça bouge. Nickel, allez, je vous laisse tranquille. Pour les fessiers aujourd'hui, ça a été un travail encore hyper complet. On a travaillé le grand, le petit et le moyen fessier. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu mes stories et tout, pensez à vraiment investir dans ce genre de matériel élastique, poil lesté. Ça vous fait clairement sortir de votre zone de confort et c'est top. Sincèrement, tout le monde peut vous le dire, hein, une fois que vous testez, vous voyez vraiment la différence, même si je sais qu'au poids de corps, ça brûle. Mais là, ça vous fait encore plus sortir de cette zone de confort. Hein. Ok, allez, on souffle un petit peu. Ouais, je vois là, il n'y a plus de fessiers déjà moi aussi, hein. Bien congestionné là, ça a bien bossé, c'est cool. Maintenant on attaque les abdos, deuxième partie de la séance. Ouais, l'élastique c'est vraiment très très bien. En plus ça coûte pas cher franchement. Vous en trouvez partout, Intersport, hein, Décathlon. Franchement il y a plein plein de sites qui le font. Hein. Ça fait trop mal aux boutiques, mais c'est ce qu'on veut. Après on est tellement fiers de nous. Donc, il ne faut pas qu'on lâche. Hein. Hop, allez, on va repartir. Donc, cette fois-ci, on fait sur les abdos. Allez. Alors, j'avais dit qu'on commencerait vite. Aujourd'hui, on va faire le gainage. On va venir activer en gainage un petit peu. Allez, on commence. Vous êtes prêts? On va se placer sur les mains et sur les pieds. Allez, on y va. Go. Mains, pieds. Si c'est trop dur, tu le fais sur les genoux. Chacun choisit son option. Donc, pensez à avoir les fessiers bas. Mais vu que je suis pas là, hein, descends les fessiers proches du sol. Aligne, épaules, coudes et poignets. Allez. Pensez sur le gainage à vraiment respirer de façon profonde tout le long de l'exercice. Ça brûle, hein? Ça commence déjà la brûlure, là. Allez, on reste. On active déjà un peu les abdos. Allez, serre tes fessiers qui sont déjà, qui brûlent déjà. Allez, allez, on s'accroche. À mon signal, on va lever une jambe, puis l'autre. Hop, hop, hop. Alors, ça ne sert à rien de monter haut, hein. C'est juste pour créer une instabilité sur le bas du corps. Si c'est dur, tu le fais sur les genoux. Tu ne montes pas trop haut, hein. C'est juste pour dire de créer une petite instabilité sur le bas. Allez, vous devez résister. Encore. Hop. Et vous avez vu mes fessiers, ils ne montent pas pour autant. Hein. Ils restent bas malgré tout. Hein. Et relâche. Défends aussi un peu les poignets parce que le gainage, on le ressent bien. Ok. On y va. On va enchaîner latéral, donc sur le côté. On va se reposer un peu le poignet. Allez. Hop. Donc soit tu le fais sur les pieds, soit tu le fais avec un genou au sol. Option plus facile. Hop. Chacun choisit sa petite option. Allez, on souffle. Pour faire bien ses abdos. Hop, là, on a un petit focus sur les obliques. Je t'invite à tendre le bras pour avoir vraiment une ouverture au niveau du haut du corps. On n'est pas recroquevillé, hein, on ouvre. Allez, on s'accroche. Petit mouvement. Hop, hop, hop. Si c'est trop dur, évidemment, tu poses le genou et tu le fais sur le genou. Allez, lâche pas. Souffle. Et relâche. Wouh!
soir, elle a décidé de vous brûler les abdos et le boutique en max. Allez. Mais je sais que vous allez être contents après. Elle couvre bien le bras. Hein. Yes. On est bien serré au niveau des obliques hein, et des abdos. Souffle. Souffle tout le long de ton exercice. Si c'est trop dur, tu poses ton genou au sol. Allez, on est parti. Petit mouvement. Hop. Hop. Allez, souffle. Soufflez en masse. Allez. Allez, petit mouvement. Et relâche. Yes, on enchaîne. Hop, sur les coudes. Donc, plie les jambes. Là, tu sens que ça tire, reste sur cette position. Si ça tire pas assez, descends. Les talons proches du sol. Et si tu es à l'aise, tends. Allez, chacun choisit son option. Si ça tire dans ton dos, c'est pas normal. Replie un petit peu. Et vous avez vu, je suis pas là non plus, hein. Parce qu'après, vous tirez trop en dos, donc c'est pas bon non plus. Hop, ciseaux, ciseaux. Allez, si c'est sûr, les genoux pliés, tu le fais avec les genoux pliés. Plus tu vas descendre proche du sol, plus ça va être dur, hein. Tu peux le faire aux jambes tendues pour intensifier. Allez, soufflez, 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 soufflez. Tirez vos abdos. Yes. Ok, là, je vais changer. Donc, si tu es sur jambes pliées, hop. Monte et descend. Monte et descend. Si tu es en jambes tendues, hop. Hop. Descends pas trop bas. Et si ça tire trop dans le dos, remonte en jambes pliées. Souffle et inspire sur la montée. Allez, accroche-toi. Je sais que ça brûle. Allez, allez, encore, encore. 15 secondes. Accrochez-vous. Ça brûle. Et prends l'option plus facile si ça change trop. Mais lâche pas. Hein, jusqu'au bout. Et maintiens. Allez, maintiens la position. Souffle. Plisse, c'est trop dur. Mais lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est là que ça travaille. C'est quand ça brûle. Allez. Et relâche. Allez, petite récup. Relâche un petit peu. C'est dur, hein. Et on enchaîne. Hop. On repart sur la position de gainage. Cette fois-ci, on va se placer sur les coudes. Allez, hop. Sur les coudes et sur les pieds. Si c'est trop dur, évidemment, tu peux le faire sur les genoux. Mais on voit bien le bassin dans le sol. Aligne les épaules et les coudes. Les fessiers sont bas, tu vas là, hein. Descends. Plus tu descends là, plus ça va les bosser. Le gainage, il n'y a rien de mieux pour les abdos profonds. Allez, inspire et souffle tout le long de l'exercice. Allez, un peu de mouvement, commando. Hop, mains et coudes. Si c'est trop dur, tu le fais sur les genoux. Allez, accroche-toi. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Vous avez vu mes fessiers, ils restent bas. Hein. Allez, 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 on s'accroche. Allez, allez, donnez tout ce que vous avez. Si c'est trop dur, tu poses les genoux. Mais tu lâches pas. 15 secondes. Allez. C'est dur celui-ci, on fait normal. Hein. Allez. 4, 3, 2, 1. Reviens sur les coudes et maintiens. C'est trop dur, toi, tu joues. Lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Serre tes abdos en max. Allez. 4, 3, 2, 1. Relâche. Ok, bois un coup. J'ai un petit peu de soif. On enchaîne. Vous allez me haïr. Elle est horrible, cette séance. Allez, on enchaîne. On garde le smile. Allez, on repart, gainage latéral. Allez, go. Si c'est trop dur, toujours tu poses un genou. Allez, pas d'excuse, tout le monde peut le faire. Allez, à mon signal, on y va. Hop, genou et tend. Genou et tend. Alors, il n'est pas facile, hein, sinon tu le fais option plus simple. Hop, et tu tends. Hop, et tu tends. Donc là, tes obliques.
Allez, allez, pas de pause, là, on enchaîne. Hop. Allez, à mon signal. Ah, ça bouge. Tac. Allez, on repart, on repart. Go. On y va, mouvement. Hop. Et tu tends. Hop. Et tu tends. Hop. Yes. Souffle et inspire. Si c'est trop dur, l'autre tour plus facile. Yes. Allez. Accroche-toi. Tu es derrière. Allez. Et 4, 3, 2, 1. Relâche. Allez, hop. On repart. Je vous invite, c'est le pied des abris. On repart là. On tend les jambes et hop, hop. Tu les colles. Tu viens chercher les pieds avec les mains. Regardez mes omoplates. Elles ne retouchent pas le sol. Elles sont décollées tout le long. Allez, accroche-toi. Je sais que ça brûle. Souffle, souffle. Allez, on en vient encore 15 secondes. Allez, allez, allez. On est plus fort que ça. Décolle. Les omoplates ne retouchent pas le sol. Accroche-toi. Et 4, 3, 2, 1. Relâche. Ouh. Non, 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 allez, on continue, hein. On ne décourage pas. On repart sur les coudes et sur les pieds. Et là, on va chercher, hop, le bassin à droite, le bassin à gauche. Hop, et je reviens au centre. Si c'est trop dur, tu fais le tour plus facile sur les genoux. Tu bascules le bassin et tu reviens au centre. Allez, souffle. Allez, encore. À droite, au milieu et à gauche. Allez, si c'est trop dur, tu poses les genoux, mais tu lâches pas. Allez. C'est les dernières. Et 4, 3, 2, 1, relâche. Je bois un coup, j'ai la dent super fraîche. On enchaîne, il est quelle heure? Je surveille aussi ma petite heure. Ok, nickel. Il nous reste deux exos. On a terminé. On lâche pas. Allez, on se replace en gainage. Celui-ci, on l'a déjà fait. C'est celui où on se retourne et on revient. Allez, on part tous ensemble. Placez-vous. Allez, on y va. Go. Hop. Gainage et tu ouvres avec un bras. Gainage et tu ouvres. Tu fais un quart de tour et tu accompagnes avec la tête et le regard. Si c'est trop dur, tu le fais évidemment sur les genoux. Tu souffles quand le bras monte. Souffle et inspire. Allez. Le bassin, il est toujours bas. J'ai pas les fessiers qui sont hauts. Hein. Accompagne avec la tête. Souffle et inspire. Allez, on arrive sur la fin de la séance. Allez. Encore 15 secondes. Allez, laisse-moi remonter le bassin. Accroche-toi. Fais-le sur les genoux si ça devient trop dur. Et relâche. Wouh. Aïe, 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 ça brûle. Allez, on repart. Sur le dos, on arrive sur le dernier. On lève les genoux pliés et on serre les bras. Monte, descend. Monte, descend. Les omoplates, elles retouchent à peine. À peine. Vous avez quasiment les omoplates toujours décollées. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Yes. Allez, tire pas sur la nuque. C'est les abdos qui se contractent. Allez, encore 15 secondes. Allez, accrochez-vous. Hein. C'est la fin de séance. C'est normal que ça devienne dur. Allez, accroche-toi. Et là, tends les jambes et le finisher. Avec les bras et les jambes tendues. Tu souffles. Allez. C'est normal que ça brûle, accroche-toi. C'est les dernières. Après, c'est fini. 15 secondes. Allez, on peut les abdos tracer. Hein. C'est maintenant.
la dégoulinance jusqu'au bout. Ça fait tellement de bien. Ça va tout le monde? Je rebois un coup, j'ai la gorge super sèche. Ouh là là. Et bah dis donc, transpirante, brûlure, tout y est. Je vous propose un petit étirement si vous le souhaitez pour dire bah voilà de terminer bien cette séance. Ça ne dure pas longtemps, hein, je vous rassure, mais ça fait toujours du bien pour finir. Hop. Je vois que des bons retours, ça fait super plaisir. Super. Super, que des bons retours, je suis trop contente. Nickel. Je pense que vous avez dû bien ressentir, ouais, sur fessiers, abdos. Je suis en train de coulure du coup, parce que comme je suis loin, je vois rien. Nickel, trop contente. Yes, au top, vous avez tout donné encore une fois, ça fait trop plaisir. 4-4, épuisé. Ouais, moi aussi, je dégouline, mais ça fait beaucoup de bien, comme d'habitude. Hein. Allez, petit stretching. Vous me connaissez, toujours 3 heures pour trouver la musique, mais c'est bon, là, elle est là. Wouh! Et je sais pas vous, mais moi, là, il y a encore la brûlure qui s'installe. Je crois qu'on va avoir des belles courbatures, mais vous savez, hein, c'est la dernière semaine, donc on donne tout, hein. On donne tout, tout, tout. Allez, hop. Petit pub. Et on y va. Allez, go. Tac. Allez, c'est parti, petit stretching. Allez. Je règle juste les caméras pour qu'on me voit bien. Tac et tac. Super. Allez, on va venir se placer au sol. Tac. On va venir s'allonger. Hop, on s'allonge. On tend. Oh, j'ai pas de place. Hein. J'étais mieux chez mes parents. On tend les jambes et les bras. Et là, on relâche tout. Allez, relâchez les membres inférieurs et les membres supérieurs. Relaxez-vous. Relâchez un petit peu la respiration. On se détend vraiment. Quand vous le sentez, tout doucement à votre rythme, vous allez attraper vos genoux. Hop. Et là, vous allez venir faire des cercles pour vraiment venir détendre votre dos, notamment le bas du dos. Il y a quand même été sollicité sur certains exercices, donc on n'hésite pas à venir un petit peu et bien détendre, étirer le dos. Vous pouvez le faire d'un sens, puis vous pouvez le faire de l'autre sens. Hop, et ensuite, on va venir poser les talons dans le sol. On va poser une cheville sur un genou. Et là, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va relâcher en reposant la nuque au sol. Donc moi, j'ai attrapé au niveau du genou. Si c'est trop dur, tu attrapes l'arrière de la cuisse. Et si c'est encore trop dur, hop, tu n'attrapes rien du tout et tu ressens peut-être déjà l'étirement. Chacun choisit son option. Donc là, évidemment, vous devez ressentir bah, l'étirement dans le fessier. Ça a bien roulé. Allez, on relâche tout doucement. On repose les talons au sol. On repose un pied sur le genou et en expirant, on exerce une pression. Ressent bien l'étirement dans le fessier. Relâchez tout. Ça fait du bien le stretching. Ça détend là après tant d'efforts. Ok, relâche tout doucement. Hop, repose un talon au sol. Là, tu vas venir te replacer tout doucement sur ton tapis. Et sur tes genoux, tu vas poser les fessiers sur les talons. Et là, tu vas aller chercher loin devant toi, sur l'expiration. Vous pouvez tirer vraiment ton dos. Tu peux laisser la tête dans l'axe du corps. Et là, hop,
on va avancer pour se mettre en cobra ou en bébé cobra. Donc bébé cobra, on est là. Et cobra, on est là. Choisis, si ça tire trop dans le dos, tu peux prendre l'option plus facile. Et là, tu dois ressentir l'étirement au niveau des abdos. Hop, on remonte tout doucement en position quadrupédique. On va se replacer sur les pieds. On va dérouler tout doucement vertèbre après vertèbre. Hop. Nickel. Là, on va prendre une grande inspiration. Inspire, étire. Et là, en soufflant, tu viens chercher sur le côté. Là, on étire bien la partie des obliques. Inspire et expire en allant chercher sur l'autre côté. Et reviens au centre. Allez, on prend une grande dernière inspiration. Étire et sur l'expiration, on relâche tout et relâche. Et là, tu remontes tout doucement à ton rythme. La tête en dernier pour terminer. Bravo tout le monde! Encore une superbe séance. Merci à tous. Merci eh bien, d'être toujours aussi nombreux lors des lives. Hein, ça me fait hyper plaisir parce qu'on n'est quand même plus en confinement. Tout le monde n'est pas libre et vous êtes quand même à chaque fois une quarantaine. Donc, ça me fait hyper plaisir. Évidemment, pour les absents, je vous remets tout sur YouTube et sur Facebook. Merci encore pour tous vos petits compliments. Ça me fait super plaisir parce que voilà, c'est ça ma motivation. C'est quand je reçois tant de compliments comme ça, ça me booste. Je me dis que voilà, ça leur plaît, ça leur fait du bien. Ils ont des ressentis, ils évoluent. Moi, tout ça, ça me met de trop bonne humeur. Donc, merci pour tout. Vous êtes une communauté en or. Et merci aussi à l'Orange Bleu parce que je vous ai suivi aussi tout le long du confinement. On va se retrouver bientôt à la salle pour de nouveaux cours. Donc, merci à tous. Et je voulais vous dire un dernier truc. Oui, évidemment, on se retrouve jeudi. Hein, la semaine n'est pas finie. Jeudi, vous savez, haut du corps et cuisses. Donc, cette fois-ci, ce sera ciblé un petit peu plus sur le haut. Mais voilà, on va quand même travailler un peu les cuisses. Et évidemment, samedi pour le petit hit cardio. Voilà tout le monde. J'ai aussi vos petits commentaires, ça me fait trop plaisir. Merci à tous, vous êtes vraiment adorables. Je vous fais des gros gros bisous. Salut tout le monde. Salut YouTube, salut Facebook. Merci, vous êtes géniaux. Gros bisous. À jeudi. Salut, salut, salut tout le monde, je vous fais des gros gros bisous. Hop.